Personnellement, à ce stade, je me suis demandé s'il s'agissait d'un manipulateur, voire, disons le mot, d'un nouveau gourou. Il fallait que j'en sache plus. Je devais lui parler directement. Et pour ça, il a fallu que je tende un piège à Marc. Bon, je commence par des excuses, parce que ça fait un an qu'on s'est pas vu, et vous êtes toujours là. Et franchement, ça m'avait manqué. Mais pour me faire pardonner, je vous ai préparé une vidéo un peu particulière, parce qu'on va pas parler d'histoire aujourd'hui. Mais on va quand même raccorder avec le sujet habituel. Car oui, la révolte et la recherche d'un monde meilleur prend différentes formes et peut être pensée de différents points de vue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui du développement personnel et de l'un de ses représentants sur Internet, Marc de Mental Boost. Alors pourquoi je m'intéresse à lui particulièrement? Mais en partie, à cause de ça. Il y a des gens qui me demandent parfois comment faire pour changer le monde, comment faire pour aider le monde. Et pour moi, en fait, ça passe par chaque personne individuellement. Quand une personne se sent bien, quand une personne a du sens dans sa vie, elle est automatiquement inspirée à faire des choses, à créer, à aider les gens, à aider le monde. Elle est automatiquement inspirée à faire ça. Donc, pour changer le monde, pour aider le monde, la solution, c'est d'aider chaque personne individuellement. Alors voilà, moi, changer le monde, bah ça me parle, c'est le sujet de ma chaîne, parler des personnes qui réfléchissent ou qui agissent dans ce sens. Mais voilà, le problème, c'est que... Non, attendez, je vais laisser Marc le résumer. Moi, j'analyse l'humain. Et sans vouloir passer pour un arrogant, la plupart de tout ça, c'est du bullshit. Alors attention, allez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vous ai réservé des surprises, et si vous pensez savoir comment ça va se terminer, je peux vous l'assurer, vous vous plantez. Oui, même toi, Marc, regarde-la jusqu'au bout, je t'assure. Donc, a priori, Marc, c'est un garçon plutôt sympa qui donne des conseils pas bien méchants à des personnes en quête de réponses sur la vie. C'est une véritable star sur TikTok. Il a vécu une ascension fulgurante en moins de 1 an, le propulsant à 1,4 million d'abonnés. Et quand on vous dit que TikTok a un potentiel d'audience jamais égalé, voilà quelques chiffres pour vous faire une idée. Lancé en août 2020, Marc a atteint 100 000 abonnements à sa 12e vidéo, soit seulement 12 minutes filmées, en seulement 2 semaines d'activité. Aujourd'hui, il en est à plus de 110 millions de vues pour à peu près 150 vidéos, soit plus de 700 000 vues par vidéo en moyenne. Il est présent aussi sur YouTube, Instagram, sur Discord ou Telegram. Et accessoirement, il a un site internet où il vend des formations. Mais on reviendra sur tout ça. Sur TikTok, Marc prodigue des conseils de toutes sortes, allant de comment avoir confiance en soi à 5 conseils pour être plus charismatique ou comment se remettre d'une rupture amoureuse. Rien de bien méchant, donc, comme je le disais, et finalement, bah, si ça peut permettre à certaines personnes de prendre confiance en elles, quel est le problème avec ça? Bah, aucun en vrai. Si les gens se sentent mieux en écoutant Marc, moi ça me regarde pas et j'ai rien à y redire. Sauf que la réalité est bien plus inquiétante et est intervenue dans un contexte plein de questionnements, la crise du Covid. Et dans cette crise, la jeunesse était en première ligne des victimes collatérales de la pandémie, puisqu'elle a subi de plein fouet les mesures de distanciation sociale, l'impossibilité de travailler et l'augmentation de la précarité ou la sensation tout simplement de voir leur avenir totalement compromis. Tout ça a eu pour conséquence de provoquer de nombreux dégâts psychologiques dans une population qui va chercher du soutien là où elle le peut, et entre autres sur les réseaux sociaux. Sauf que le premier réseau social de la jeunesse, c'est TikTok, là où on trouve Marc. On a donc des milliers de jeunes qui ont subi des réels dégâts psychologiques et qui sont potentiellement allés mettre leur santé mentale entre les mains de Marc. Et j'exagère même pas, hein, les commentaires dans ce sens sont trouvables sous les vidéos, vous pouvez aller vérifier vous-même. Et Marc, ben, il a une vision du monde tout à fait particulière, qui donne pas vraiment envie d'aller consulter chez lui quand on creuse un peu. Alors voilà, moi un jour, je suis tombé sur une des vidéos de Marc en explorant TikTok, et je vais pas vous mentir, la première impression que j'ai eue, c'est que j'étais face à du grand n'importe quoi. Pour que vous compreniez à quel niveau de bullshit on est, et avant qu'on s'intéresse à Marc personnellement, on va faire quand même un tour d'horizon de ce qu'il raconte. Et ça vaut le détour. Maintenant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre de quoi noter, parce que tu risques de comprendre énormément de choses en très peu de temps. Bon, je vais pas tout vous raconter, hein. Je suis pas sûr que vous êtes prêt à supporter 20 pages de script, et moi j'aurais vraiment pas la force de tout monter. Je vous jure, il y en a vraiment trop. Je mettrai peut-être ça sur TikTok moi aussi, tiens, pas sûr que ça serve à grand chose, mais dans le doute. Évidemment, les problèmes sautent pas aux yeux avec Marc. Encore une fois, on pourrait avoir tendance à réduire son discours à des conseils au pire inutiles et absurdes.
Technique pour mettre fin à une conversation. Si tu as envie de mettre fin à une conversation, il suffit que tu dises à la personne « Bon, je vais pas te retenir plus longtemps, je te souhaite une bonne journée. » Ou alors, si tu veux que quelqu'un soit d'accord avec toi, dis la phrase sur laquelle tu veux qu'il soit d'accord comme si c'était évident qu'elle est vraie. Et à la fin, rajoute, n'est-ce pas? Vous faites pas ça, vous? Non, sérieusement, c'est pas méchant. C'est pas ouf comme conseil, mais c'est pas méchant. Il y a plein de choses pas méchantes d'ailleurs dans ces vidéos. On peut dire qu'il diffuse des neuromythes ou qu'il affirme des choses sans aucun fondement scientifique, qu'il fait des références appuyées à la psychanalyse ou à la PNL. Alors, arrêtons-nous un petit moment là-dessus quand même, parce que la PNL, ça va nous servir pour plus tard. La PNL, c'est une pseudo-science destinée à améliorer sa communication avec des techniques qui consistent à observer son interlocuteur pour décoder ses intentions. L'exemple type, c'est que l'imitation des gestes de quelqu'un pourrait avoir un effet particulier pour cette personne. Ah bah tiens, c'est exactement ce que nous dit Marc ici. À un moment au hasard de la conversation, croise tes bras. Si la personne en face croise les bras aussi, ça veut dire qu'elle est vraiment très intéressée par cette conversation avec toi et qu'elle ne veut pas que ça s'arrête. La PNL n'a aucune valeur scientifique. Elle a jamais démontré son efficacité et personne de sérieux ne l'utilise réellement. Mais ça s'arrête pas là. Chez Marc, la PNL, c'est une référence régulière. On peut donc découvrir, grâce à lui, que les sourcils peuvent rendre charismatiques. La position des pieds nous dit si une personne nous aime, et la direction du regard si une personne nous ment. Pensez bien à retenir cette dernière information. C'est important. Vous me voyez venir? Vous l'aurez peut-être compris, Marc se dit spécialiste des relations sociales. Moi, j'analyse l'humain. Et ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment ces relations peuvent être étudiées, voire manipulées. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a des références régulières à Death Note dans ses vidéos, notamment la musique. Voyons donc ce qu'il dit sur une relation qui ne fonctionne pas. Arrête d'essayer de forcer une relation amicale ou amoureuse à fonctionner. Si elle fonctionne, ça doit être facile. Si ce n'est pas le cas, dans la majorité du temps, c'est parce que la personne se joue de toi. Ok, donc dans la majorité des cas, si une relation ne fonctionne pas, c'est l'autre personne le problème. Dans la majorité des cas. Je laisse un petit instant aux personnes qui auraient besoin de comprendre le souci logique dans cette proposition. Dans la majorité des cas, ça marche pas. Bon, ça commence pas fort dans cette étude des relations sociales. La vidéo que tu vas voir maintenant est un extrait de ma formation Confiance Infinie. C'est ma formation la plus complète, la plus longue et la plus aboutie sur la confiance en soi. Et sans vouloir passer pour un arrogant, j'ai mis tellement de contenu, tellement de connaissances et tellement de temps dans cette formation que ça va vraiment être difficile de trouver mieux. Cette formation que je te propose là est vraiment celle qui pourrait changer ta vie. Plus je suis dans un état intérieur dans lequel je cherche la validation des autres, plus les autres le ressentent. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens n'aiment pas les gens qui essaient de leur voler de l'énergie. Je passe sur le terme d'énergie qui n'est pas vraiment défini, mais bon, après tout, on n'est pas à ça près. Je suis en ionisation, je sais plus combien de milliers ou de je sais pas quoi de ions par centimètre cube d'air. Je vous explique rapidement qu'en gros, il affirme que quand on communique, on espère provoquer des réactions positives chez l'autre, et que si quelqu'un est renfermé et cherche de manière forcée à provoquer cette réaction positive, bah ça se voit et les gens n'aiment pas ça. La sous-communication, c'est « s'il te plaît, donne-moi de la validation parce que comme ça je vais me sentir bien, s'il te plaît ». C'est comme un SDF qui demande une pièce dans la rue. C'est une énergie qui n'est pas spécialement attirante. Ok, alors ça, je suis pas sûr que ce soit la comparaison la plus judicieuse. Et ça, on se rappelle que c'est ce qu'il a choisi de mettre en avant pour vendre sa formation, hein. Ça va vraiment être difficile de trouver mieux. Mais la reine des relations, pour Marc, c'est la relation amoureuse. Son vrai domaine d'expertise, c'est la séduction. Et je vais pas pouvoir me permettre personnellement de juger de sa compétence dans le domaine, mais je peux quand même en dire deux, trois mots. La toxicité de la friendzone. Tu vas te retrouver dans une situation où tu dois cacher tes véritables intentions. Il arrive souvent que l'autre personne se rende très bien compte que tu l'aimes plus qu'un ami, et qu'elle continue de tirer avantage de ta position de faiblesse pour obtenir de toi des faveurs ou simplement pour satisfaire son ego. Donc pour Marc, la séduction, ça se résume à un rapport de manipulation et de mensonge, où les stéréotypes vis-à-vis des femmes se succèdent, où elles sont essentialisées, et elles fonctionnent quasiment toutes de la même manière. Et il enchaîne les clichés. Les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils, qui d'ailleurs ne cherchent qu'à compenser un manque de confiance en soi. Si t'es trop gentil, tu représentes plus aucun challenge. Elles se lassent si on leur montre trop d'affection. Et sans oublier le fameux, les femmes aiment l'argent. Et on verra tout à l'heure pourquoi il a ces idées particulières et d'où elles viennent.
En fait, il est assez simple de résumer comment les relations fonctionnent pour Marc. Il s'agit simplement de découvrir ton charisme naturel. On a tous à l'intérieur de nous cette part de nous qui est déjà charismatique. Mais on ne l'autorise jamais à sortir, parce qu'elle est cachée sous tout le conditionnement social, toutes les peurs, notre manque de compréhension de nous-mêmes et des humains. D'un côté, donc, on a notre personnalité intérieure, cachée, mais pleine de qualités, comme la confiance en soi, le charisme ou la séduction, etc. Et de l'autre, on a une personnalité de façade, un masque qui s'est construit avec le temps et qui va nous permettre de nous intégrer dans la société en suivant des règles complètement artificielles. Ça va des émotions mal vues aux règles imposées depuis l'école, au travail, en famille, etc. La plupart d'entre nous n'ont jamais eu l'occasion de se faire confiance. Depuis notre plus jeune âge, on se contente juste d'écouter les directives de nos parents, de nos profs, de nos patrons ou du gouvernement. Et toutes ces règles nous ont éloignés de notre moi intérieur, ce qui entraîne des comportements à bannir pour Marc, comme la timidité, la recherche de validation par la société, comme suivre des règles bêtement. Et c'est tout. Une personne intérieure idéale, pleine de qualités, et un masque qu'on porte en public qui nous rend complètement nuls. Voilà, c'est cadeau, je vous ai épargné quelques heures de formation. Tout ce que dit Marc se rapporte à cette idée, simpliste, de revenir à une personnalité originelle, plus authentique, plus heureuse, plus confiante. Tout ce que fait Marc ensuite, c'est de décrire des mécanismes qui, selon lui, nous font passer d'une étape à l'autre, de reconnaître une personne qui est dans la première étape ou dans la seconde. Et basta. En fait, ce que Marc ne dit jamais, c'est qu'il est tout à fait normal de manquer de confiance en soi, et que tout le monde vit ça dans de nombreuses situations. Par exemple, oui, c'est normal de pas avoir confiance en soi pour aborder un inconnu. Et c'est pas grave. C'est normal de pas oser parler en public. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et nous forcer à fixer du regard une personne ou à poser nos pieds bien en parallèle face à lui, ça nous aidera pas à prendre confiance en nous. Là où ça devient problématique, c'est quand ça commence à vraiment vous bouffer la vie et que vous vivez un véritable mal-être à cause de ça. À ce moment-là, je peux que vous conseiller d'en parler à un professionnel. Et Marc, il vous met quand même la pression en vous disant que vous êtes une meilleure personne si vous allez parler à un inconnu. Comment aborder la personne qui te plaît? Même si tu te prends un gros râteau, félicite-toi d'y être allé. Tu n'as peut-être pas réussi à séduire cette personne, mais toi tu en es devenu une meilleure. Il va même plus loin. En étant timide, vous allez purement et simplement rater votre vie. Tuto pour rater sa vie. Ne cherche pas à devenir plus confiant. Eh ben merci de nous aider Marc, ça nous a fait vraiment du bien. Les contradictions, c'est aussi un peu la marque de fabrique de Marc. Par exemple, il va dire que les autres sont un obstacle quand on lutte contre sa timidité. Si tu es timide et que tu te mets de plus en plus à agir de façon confiante, les gens que tu connais vont se rebeller. Ils vont te faire comprendre constamment que tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Ils vont t'empêcher d'évoluer parce que ça leur fait peur. Mais il va aussi nous dire exactement l'inverse à d'autres moments. Plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu autorises les autres à être eux-mêmes, et plus les autres se sentiront bien en ta présence. Ce qui est fou chez Marc, c'est que les autres, c'est un genre de concept en soi. C'est-à-dire que c'est à la fois la source du problème et un objectif à atteindre. C'est soit ce qui bloque notre bien-être, soit un tremplin pour qu'on se sente mieux. En gros, on est seul face au monde extérieur. Et ça, c'est typique du développement personnel. D'ailleurs, cette idée d'être seul, elle est absolument partout dans ses vidéos. La seule chose qui ne te mentira jamais, c'est ce que toi tu ressens. La vie est une expérience individuelle. La première chose qui est primordiale, c'est apprendre comment nous on fonctionne, comment nous-mêmes on fonctionne. Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de nous-mêmes qu'on vit notre expérience de la vie. Ce sont tes petites actions de tous les jours qui vont faire de toi la personne que tu seras dans 1 an, 3 ans, 10 ans. Le prix que tu payes à chaque fois que tu procrastines, c'est la vie que tu aurais pu avoir. Qui on est n'est le résultat que de nos décisions et pas de déterminants pour lui. En plus de pas être psychologue, Marc n'a visiblement aucune notion de sociologie. En réalité, le développement personnel, c'est une des formes de soft power du libéralisme qui rend cool l'individualisme. En gros, c'est toujours de ta faute et jamais des constructions sociales. Mais le plus problématique, c'est que Marc s'adresse à des gens qui peuvent être en réelle souffrance. Et là, en partant du principe que notre vie est le résultat de nos actions, bah, y a plus qu'un pas à franchir pour dire que si on est en souffrance, bah, c'est un peu de notre faute. Et devinez quoi ? C'est exactement ce que fait Marc. Si tu penses que la vie te veut du mal, que le sort s'acharne sur toi, que tu ne mérites pas ce qui t'arrive, c'est peut-être que tu as mal compris les règles du jeu. Si j'arrive à me placer en tant que victime, ça voudra dire que je n'ai rien fait de mal, et que je n'ai rien à faire pour arranger ou changer quoi que ce soit. C'est les autres qui doivent changer, pas moi. Ça te donne une bonne excuse pour ne pas avoir à affronter tes peurs, à réfléchir ou à faire l'effort de changer. Mais en faisant ça, tu te mens à toi-même.
et tu te retires par la même occasion toute opportunité d'évoluer. Et des personnes en souffrance, il y en a un sacré paquet parmi celles et ceux qui le suivent. C'est vraiment le cœur de cible de Marc. Il suffit d'écouter la toute première minute de la première vidéo de sa chaîne YouTube pour s'en rendre compte. Le prix à payer pour correspondre à ce que les autres nous ont dit qu'on était, c'est de se perdre soi-même. En agissant de cette façon, tu te prouves constamment à toi-même que tu ne peux pas compter sur toi et que tu n'es pas là pour toi. Tu te perçois comme n'ayant aucune valeur, aucun talent, aucune habilité. Tu te sens inutile et insignifiant et tu finis par te détester d'être aussi nul. Ça s'apparente pas mal à une description d'une personne en dépression, ça. Le truc, c'est que c'est une maladie sérieuse qu'on doit pas prendre à la légère. C'est un médecin qu'on doit consulter dans ces cas-là, pas Marc. Maintenant, j'aimerais que vous vous preniez une seconde pour vous imaginer dans la peau de quelqu'un qui, justement, serait en souffrance psychologique. Et si c'est déjà le cas, et que vous ne souhaitez pas vous sentir encore plus mal, n'hésitez pas à passer ce passage et à vous rendre directement à ce timecode. Donc imaginez, vous êtes en pleine dépression et voilà le type de conseil que vous entendez. 5 signes que tu réfléchis trop. Tu réfléchis plus que tu ne fais. Tu passes tellement de temps à réfléchir qu'au final il te reste ni temps ni énergie pour faire ce à quoi tu réfléchis. Ou alors de se forcer à aller dans des soirées alors qu'on en a peur, juste pour voir ce que ça fait. Pour revenir à la réalité, il faut se confronter, il faut expérimenter la réalité. Moi, par exemple, quand j'étais à ma période où j'étais hyper timide, où j'avais vraiment peur de parler à des gens et surtout de parler à des filles, je me suis forcé à aller en soirée tous les week-ends, genre 2 fois par semaine, pour parler à des gens, pour me forcer à interagir avec des gens, pour me faire rejeter, pour ressentir ces émotions qui étaient en moi. En gros, bouge-toi et arrête de cogiter. Merci pour la culpabilisation. Mais ça, c'est que le début. Marc va bien plus loin. Gardez bien en tête que vous êtes une personne en souffrance pour l'exercice. Ce monde a été matérialisé de façon à te permettre d'expérimenter la vie d'un humain. Te donner l'illusion d'être séparé du tout pour une période de temps limitée. Te donner l'illusion d'être une personne avec un prénom, une date de naissance, une identité. Ce monde n'est pas différent d'un jeu vidéo. Personne ne pourra jamais te comprendre totalement. Personne ne pourra jamais savoir à ta place. Ça, c'est des propos qui peuvent isoler les personnes qui les écoutent. C'est ce qui lui permet de dire, notamment, que son corps n'est qu'un véhicule. Je considère que je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas la personne que je pense être. C'est juste un outil, un genre de véhicule qui me permet d'expérimenter cette expérience, ce monde. Pour lui, c'est un plus grand niveau de conscience et tout devient plus facile en acceptant l'idée de sa propre mort. J'ai commencé à développer des petites techniques pour aller mieux. Et l'une d'elles, c'était par exemple, je me disais, quoi qu'il arrive, ce soir tu vas mourir. En fait, je commençais à accepter l'idée de ma propre mort. Enfin, à présent que vous savez que votre corps n'est qu'un véhicule, que la vie équivaut à un jeu vidéo, que personne ne peut vous comprendre réellement, et qu'il faut accepter l'idée de sa propre mort, vous allez découvrir ça. Réveille-toi de l'illusion, et rends-toi compte de la réalité telle qu'elle est. N'essaie pas de garder le positif, et de te battre contre le négatif. Arrête de te battre, et accepte la totalité de l'expérience. C'est là qu'il t'arrivera des choses extraordinaires. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a rien à atteindre, rien à accomplir. Est-ce que réellement, vous aimeriez qu'un proche tombe là-dessus? Le plus surprenant, c'est l'absence de réaction de Marc vis-à-vis des commentaires qui l'appellent clairement à l'aide. Personnellement, à ce stade, en ayant vu tout ça, je me suis demandé si j'étais face à quelqu'un qui avait conscience des idées qu'il diffusait, ou s'il s'agissait d'un manipulateur, voire, disons le mot, d'un nouveau gourou. Il fallait que j'en sache plus, et pour ça, je devais lui parler directement, mais pas en tant que personne sceptique sur ses intentions. Je voulais voir comment il réagissait face à une personne en réelle souffrance. Et pour ça, il a fallu que je tende un piège à Marc. Alors avant de vous expliquer en détail en quoi a consisté ce piège, il faut que je vous fasse un petit tableau de qui est Marc, en dehors de ce qu'on voit de lui sur les réseaux. Marc a 29 ans. Il est originaire de Clichy et après un bac pro électrotechnique, il va à la fac de lettres pendant 2 ans et poursuit avec des études de vente pendant 3 ans et il fait 1 an de théâtre au cours Florent. Il a travaillé pendant quelques mois dans une boutique de SFR et très vite, en 2017, il ouvre une première micro-entreprise de revente de produits chez Amazon. Entre 2018 et 2020, il lance un premier projet sur les réseaux, Mindtrap, où il commence à se mettre en scène dans des vidéos de développement personnel. C'est l'ancêtre
de Mental Boost. En 2020, c'est le lancement de Mental Boost, justement, avec un lancement de son site de formation et de coaching personnalisé. Au printemps 2021, il commence à travailler avec plusieurs personnes sur ce projet et il dit se consacrer à l'écriture d'un livre. Pendant ses études, et alors qu'il travaille encore en alternance, il subit une dépersonnalisation suite à un environnement professionnel trop stressant. C'est le premier contact de Marc avec les psychiatres qui, de son propre avis, ne le comprennent pas. Il a alors des idées très noires. Je savais plus si j'avais très envie de vivre. Dans ma tête, j'étais plus en mode « j'espère que cette vie, elle va se passer vite, elle va se dérouler vite, comme ça c'est fini ». À la fin de son alternance, en 2018, il vit une rupture amoureuse très difficile qui l'amène à vouloir changer de vie. Il suit un coaching personnalisé pendant 3 mois avec Yann Piette, un chantre du développement personnel. C'est la découverte de son nouveau monde, sa pilule rouge. On a donc affaire à quelqu'un qui a plutôt un profil de commercial que de psychologue ou de scientifique. Et ça sera important pour la suite. Et si vous vous demandez d'où je tire ces informations, promis, je vous le dis plus tard. Donc en tant que chef d'entreprise, il propose des formations, c'est-à-dire en fait des vidéos dans lesquelles il explique sa vision du monde et des relations sociales, une sorte d'extension à sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est entre 150 et 200 euros, mais très franchement, ça varie selon les époques. Apparemment, il n'arrête pas, hein, si on écoute ce qu'il en dit. Tiens, je vous ai trouvé un extrait. Et j'en profite pour vous demander d'observer la direction de son regard, vous vous rappelez? Là, par exemple, j'ai commencé à sortir des formations et des coachings, et je vois que ça me prend tellement de temps. C'est incroyable, je fais rien d'autre que ça. On avait dit quoi au début sur le regard? Ça me prend tellement de temps. Oups. Il y a quelques mois encore, donc, il proposait des séances de coaching. 35 euros pour un appel de 20 minutes avec lui et 140 euros pour une heure en visioconférence. Et ben voilà une occasion parfaite pour lui parler directement. Désolé Marc, la personne à qui t'as parlé en coaching s'appelait pas vraiment Thomas. Il était pas vraiment en dépression et il avait pas vraiment besoin d'aide. C'était juste moi. Alors pour des raisons légales, je peux évidemment pas vous montrer quoi que ce soit, faudra me croire sur parole, mais pour résumer, je me suis fait passer pour quelqu'un en souffrance donc, pour voir quelle serait sa réaction sans filtre, sans réseau, pour voir comment il se comporte. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, hein. J'ai été agréablement surpris. Et non, cette vidéo, c'est pas uniquement un moyen de taper sur Marc, on va essayer d'être un tout petit peu plus fin que ça. Non, sérieusement, Marc a été tout à fait attentif. Il a été à l'écoute et il m'a même proposé de le recontacter sur ses réseaux dans le cas où j'aurais besoin d'aide. Parce que c'est vrai, j'ai été un peu fort. Bon, mais tout n'est pas rose non plus. Je vous avoue que j'ai quand même été plutôt surpris quand il m'a dit ça. On nous a beaucoup plus appris à résister à nos émotions plutôt qu'à les écouter, plutôt qu'à se laisser traverser. On laisse toutes ces émotions bloquées à l'intérieur de nous et en laissant toutes ces émotions bloquées à l'intérieur de nous, c'est comme un genre de suicide passif. C'est comme ça que se développent des maladies. C'est comme ça que la plupart des gens développent un cancer, par exemple. C'est parce que tout ça est bloqué à l'intérieur de nous et on ne le laisse pas sortir. Et du coup, c'est le corps qui prend. C'est le corps qui prend les dégâts. Alors, non, ça le fait pas du tout, Marc. Personne n'est responsable de sa maladie. Et le cancer, ça a vraiment rien à voir avec le refoulement des émotions. Ne dis plus jamais des trucs pareils. Les malades ont vraiment pas besoin d'entendre ça. Moi, je te recommande d'aller voir un psy, t'as des services gratuits pour ça. Le psy, ça peut t'aider. Mais en réalité, t'as besoin de rien. Tout est déjà en nous pour qu'on puisse s'en sortir. Ouais, bah ça partait bien, mais fais attention à ce que tu dis, Marc, les mots ont un sens. Si tu dis que t'as besoin de rien, il y a des gens qui peuvent le prendre au pied de la lettre. Bref, ce coaching, il était vraiment mitigé. Il a quand même glissé deux ou trois choses assez problématiques, impossibles à laisser passer. Et en même temps, il a bien pris le temps de m'écouter. Et j'ai eu le sentiment qu'il voulait vraiment m'aider. Il est quand même resté une heure avec moi au lieu de 20 minutes, alors que c'était ça le contrat. Et puis finalement, quelques jours plus tard, sur son site, on n'a subitement plus eu accès au coaching de 20 minutes. Et c'est désormais plus du tout quelque chose qui est proposé. Il faut croire que même si Marc a envie de bien faire, il faut quand même que ça soit un minimum rentable. Marc reste avant tout un chef d'entreprise. Mais au moins, on n'a quand même pas affaire à un véritable gourou uniquement avide de pouvoir. Bonne nouvelle. Mais s'il est de bonne foi, s'il a l'air de croire ce qu'il dit, je me suis demandé, mais d'où ça vient? Comment il fait pour construire sa pensée? Sur quoi il se base? Vous vous doutez bien qu'il répond pas aux inconnus. Avoir des milliers d'abonnés, ça empêche d'être facilement abordable, d'autant plus que Marc se montre discret sur sa vie personnelle. On n'a même pas accès à son nom de famille, alors de là à avoir une discussion avec lui, vous imaginez. À moins que...
À moins qu'on soit un minimum coriace et qu'on ait pour totem un animal avec plusieurs visages. Profitez-en pour vous abonner si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Allez, allez, voilà, c'est bien. Donc, plusieurs têtes, oui, parce que cette fois, bah, je me suis fait passer pour un journaliste pour qu'il accepte de me parler. Ah, il a quand même fallu que je me reprenne à plusieurs fois, hein. Il est pas facile à convaincre. Bonjour monsieur, ça va? Ça va, ça va. Ouais, 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 on peut se tutoyer, y a pas de problème, y a pas de problème. Tu es difficile à joindre. Donc voilà d'où je tire pas mal de mes infos. De Marc lui-même qui me les a confirmées en face à face. J'ai donc profité de cette interview pour confirmer les informations dont je disposais, mais aussi, et surtout, pour comprendre comment il forme sa pensée et d'où il tire toutes ses idées. Peut-être après tout qu'il a une compétence réellement hors du commun, que je ne comprends pas, et qu'il pourra me donner des clés pour y accéder. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est pas le cas. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas une vérité générale, il n'y a que votre vérité. Marc, c'est un relativiste absolu. Ouais, c'est un paradoxe. Et ça veut dire que pour lui, tout se vaut. Toutes les opinions se valent. Tous les camps sont équivalents. Tout n'est que croyance. Tout est vrai et tout est faux. Ce qui fait, évidemment, qu'il ne choisit que les choses qui l'arrangent et qui vont dans ce sens, qui confirment sa croyance. Mais non, Marc, ça marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on sait être plus solides que d'autres. La Terre n'est pas plate, Marc, elle est ronde, on le sait. À partir de là, il faut apprendre à reconnaître qu'une information est plus fiable qu'une autre. Sinon, bah, on laisse la porte ouverte à toutes les dérives possibles. Et en termes de croyances qui mènent à ces dérives, ben Marc, il coche quasiment toutes les cases. Et c'est normal parce que, de son propre aveu, il ne lit que des ouvrages de développement personnel. Rien d'autre. Pas de philo, pas de psychologie, d'histoire, ou toute autre chose qui l'aiderait à avoir un peu de recul. Alors je vous fais pas la liste exhaustive, hein, ça va être trop long. Mais pêle-mêle, on retrouve tous les classiques du genre. Les quatre accords Toltec, Alan Watts, un auteur New Age, ou des personnalités comme Yann Piette, Owen Cook, ou même Jordan Peterson, tiens. La psychanalyse, le lien entre émotions refoulées et cancer, ah oui, ça je l'ai déjà dit, mais il faut quand même le rappeler, ça n'a aucun lien, c'est une idée qui vient d'un médecin, un charlatan notoire. Bref, que des influences qui sont au mieux pas très scientifiques, et au pire vraiment dangereuses. Je les développe pas ici, d'autres l'ont déjà fait mieux que moi. Mais quand même, il y a une chose qui fait le fondement de la pensée de Marc, c'est la loi de l'attraction. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire de sa pensée. Et je m'arrête une minute là-dessus. Comment faire pour manifester tout ce que tu veux dans ta vie? Tu attires dans ta vie ce à quoi tu penses le plus souvent. Ça n'a rien d'étonnant que les gens qui passent leur temps à se plaindre à propos de tout et qui sont très négatifs aient une vie pleine de souffrance. Tout ce qui se passe à l'extérieur de toi est le reflet exact de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui signifie que tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu veux. Visualise exactement comment tu te sentirais si tu étais déjà la personne que tu veux être. De cette façon, tu fais fonctionner la loi de l'attraction dans la bonne direction. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, en deux mots, c'est tout simplement une autre version de « quand on veut, on peut ». Ou plus précisément, « quand on veut, on a ». C'est ce qui s'appelle de la pensée magique. Je veux quelque chose, et hop, il apparaît. À ça, vous ajoutez la croyance en un monde juste, c'est-à-dire que vous pensez que toute chose arrive pour une raison. Et hop, vous avez la loi de l'attraction. C'est un truc qui est sans fondement hein, non plus. Quand on en a parlé ensemble, il m'a même dit qu'il comparait ça à la loi de la gravité, pour vous dire à quel point c'est central chez lui. Et donc pour Marc, le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Ainsi, si on est heureux, alors il nous arrivera des événements heureux. Et si cet événement ne vient pas, c'est qu'on n'est pas assez heureux intérieurement. C'est plutôt pratique. La loi de l'attraction, c'est pas du tout un truc nouveau en fait. C'est une croyance issue de la nouvelle pensée, un mouvement religieux du 19e siècle. Comme une bonne partie de tout le développement personnel d'ailleurs. C'est même d'ailleurs encore plus ancien si on y réfléchit, puisqu'elle existe déjà dans le Nouveau Testament et l'Évangile. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et devinez dans quel évangile c'est ça? L'évangile selon Marc. Y a pas de hasard. Voilà, l'essentiel de sa pensée vient en fait de ce à quoi on croyait au 19e siècle, qui était essentiellement tiré de la Bible en fait. Rien de très nouveau et encore moins rien de très scientifique. Et ça s'est bien confirmé dès qu'on en a parlé ensemble. La science, les preuves, c'est pas des choses auxquelles il porte de l'importance. C'est notre discussion qui me permet de dire ce qui va suivre. Il le pense vraiment. C'est vraiment du premier degré. On est tellement dans le monde de la preuve, de oui. Il faut que la chose soit prouvée. Il faut que tout soit prouvé. Mais tous les gens qui ont apporté quelque chose de nouveau dans le monde, c'était pas prouvé. Ils n'ont pas attendu que ce soit prouvé.
Bon, ben, là, apparemment, il sait pas ce que c'est qu'une preuve dans le domaine scientifique. Et il a une sorte d'idée reçue sur les découvertes qui semble sortir du chapeau des scientifiques. Je vais pas développer ici, mais ça marche évidemment pas du tout comme ça. Ben, si tu veux, on en discute, Marc. Je suis pas forcément le plus calé pour ça, mais on peut toujours en discuter, y a pas de problème. Mais c'est pas fini. Par exemple... Il est scientifiquement prouvé que la matière est composée à 99% de vide. La table est solide par rapport à ma peau. Donc je dis qu'elle est solide, parce que je pense que je suis la référence. Et comme je ne peux expérimenter que ce que moi je perçois, alors je pense que ce que j'expérimente est la réalité. Le fait que nous soyons des êtres conscients nous donne la possibilité d'émettre des jugements et de coller des étiquettes sur des choses que nous croyons percevoir. Et le fait que les autres gens croient voir la même chose que nous, nous fait croire à une illusion d'objectivité. Alors que l'objectivité n'existe pas. Absolument tout est subjectif. Là, bon, bah, il dit absolument n'importe quoi. Si on traverse pas la matière alors qu'elle est essentiellement composée de vide, ça c'est bien vrai, c'est juste qu'il y a une force qui nous empêche de le faire, l'électromagnétisme. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein. C'est des choses que les physiciens comprennent très bien depuis très longtemps. Et Marc, lui, sur son manque de compréhension, en fait, il en déduit que c'est notre perception de la matière qui est une illusion, et donc que tout est subjectif. Et bizarrement, ça raccorde déjà avec ses anciennes croyances. Ça rejoint aussi cette vidéo là, où il dit que personne n'existe à part nous. Là. Personne n'existe à part toi. Les gens que tu regardes, tu ne les vois pas à l'extérieur. Tu les vois dans ta tête. Tu ne connais personne. Tu ne connais que l'image que tu te fais des gens qui t'entourent. Et pour créer ces images, tu te bases sur des croyances qui sont déjà existantes dans ta tête. Donc on pourrait dire qu'il existe autant de mondes qu'il y a de personnes sur Terre. Que tu es la seule personne réelle dans ton monde. Alors, ça peut paraître anodin, mais au-delà de ce qu'il dit, pour des personnes à risque, imaginez que le monde n'existe pas réellement et croire sur parole ce que dit Marc, ça peut devenir une véritable source d'angoisse. Les commentaires sous cette vidéo sont vraiment éloquents. Et donc à force de répéter que tout n'est qu'illusion, que tout est relatif, il promeut la croyance que le monde est irréel, et en affirmant que lui sait comment tout fonctionne, il se positionne comme étant le seul guide dans ce monde alternatif. Et en créant une autre réalité qui n'a d'autre fondement que sa parole, il devient le créateur d'une nouvelle vérité. Et ça, si c'est pas une dérive à surveiller, je vois pas comment l'appeler autrement. L'intelligence de notre mental n'est rien par rapport à celle de l'intuition. Pour moi maintenant, ce qui est logique, ce qui est rationnel et prouvable, je l'écoute plus en fait. Je me fie uniquement à l'intuition. Je sais que c'est ça qui me dit la vérité plus que tout le reste. Je sais que l'intuition, c'est une intelligence qui est bien au-delà, bien au-dessus de l'intelligence normale, du mental, de la pensée. Pour moi, la pensée, c'est l'intelligence la plus basse. Et c'est là où toute sa pensée est vraiment dangereuse, où je voulais en venir. Le cœur du problème, il est là. Marc pense que la raison, c'est la forme la plus basse de l'intelligence. Sauf qu'en disant que la raison n'est pas efficace, tout en n'ayant aucune notion de ce qu'elle produit, à savoir la science, je crois l'avoir assez démontré, eh ben là, Marc, tu es en train de juger quelque chose que tu ne connais absolument pas en fait. Et donc tu as quand même de très fortes chances de te tromper. Et non seulement tu risques de te tromper, mais tu donnes l'image de quelqu'un qui est plus du tout dans la transmission de connaissances, mais dans la diffusion une nouvelle vérité révélée à l'image d'un gourou. Et ça, je sais, en tout cas, je pense, enfin, j'espère, que c'est pas du tout ce que tu souhaites. Pourtant, Marc m'a dit qu'il était curieux. Alors, voilà ce que je te propose, Marc. Si t'es vraiment curieux et que tu aimes apprendre de nouvelles choses, on reparle de tout ça à tête reposée, tous les deux, on fait même un live si tu veux, avec plaisir, je te ferai découvrir un tas de choses à lire, à écouter ou à regarder qui pourraient t'intéresser. Par contre, attention, tu vas prendre une nouvelle pilule rouge qui va te sortir de ta zone de confort. Le lendemain de cet entretien, il a quand même fait une vidéo où il met en garde contre un abus de confiance envers lui-même. Bah voilà ce qui me fait dire qu'il peut changer d'avis, parce qu'on en a justement parlé ensemble et que c'est justement notre discussion qui lui a fait sortir cette vidéo, en tout cas qui lui a donné envie de la faire. Et ça, c'est vraiment encourageant. Bon, cette vidéo était longue. Très longue, beaucoup trop longue sûrement même. Mais j'avais besoin de la sortir pour parler des croyances du développement personnel, au mieux hasardeuses et au pire dangereuses comme vous l'avez vu. Et pour que les personnes qui pensent trouver des réponses voient qu'elles peuvent être complètement illusoires. Mais en ce qui concerne Marc, moi je garde espoir, vraiment. Pour deux raisons. Franchement, je pense que Marc, il a vraiment envie d'aider les autres. Il aurait pas pris tout ce temps avec moi lors de mon coaching. C'est juste qu'il s'y prend n'importe comment, qu'il a aucun recul vis-à-vis des idées qu'il propage. Et la seconde chose, c'est que je suis convaincu qu'il peut corriger le tir. Il a déjà fait un premier pas vers la pensée critique en découvrant l'existence du biais de confirmation. Pour certains, ça peut paraître assez peu,
Mais moi, je pense que c'est un début. J'ai partagé avec vous la connaissance qui a le plus changé ma vie. Lorsqu'on a une croyance à propos d'une chose ou à propos de nous-mêmes, notre cerveau passe son temps à chercher autour de nous des preuves pour confirmer que cette croyance est vraie. Il y a même une troisième chose qui donne de l'espoir. Marc a montré dernièrement des signes de précaution vis-à-vis de son discours qu'il faut relever. Il a, dans certains contenus, tenu à préciser qu'on doit aller consulter si les signes de souffrance psychique sont trop graves. Et il le dit lui-même. Il est très attaché aux connaissances et aux livres. Je suis très attaché aux connaissances, donc aux livres. J'aime beaucoup les livres. Reste à lui faire comprendre que tous les livres ne se valent pas forcément et qu'il existe peut-être de meilleures méthodes pour faire son choix parmi ses connaissances. En continuant sur cette voie, et si le sujet l'intéresse, il découvrira bientôt peut-être d'autres pièges de notre pensée. Et peut-être qu'il nous partagera un jour son expérience de passer du côté de la croyance à celui de la science. En vrai, c'est exactement ce que je lui souhaite. Mon but dans cette vidéo, c'est absolument pas de produire un clash ou quoi que ce soit de ce genre. En vrai, j'ai beaucoup d'empathie pour Marc, en tout cas pour ce qu'il tente de faire et pour ce qu'il a vécu. Je pense juste qu'il s'y prend pas de la bonne manière. Alors, n'allez surtout pas harceler ce garçon, c'est absolument le contraire de ce que j'ai essayé de faire. Et maintenant un message pour les personnes qui suivent Marc et qui regardent cette vidéo. Je vous rappelle ce qu'il disait au tout début de cette vidéo. Pour changer le monde, pour aider le monde, la solution c'est d'aider chaque personne individuellement à se sentir bien et à trouver du sens dans sa vie. Alors voilà, je m'adresse à vous. Plutôt que de compter sur l'individualisme du développement personnel, où seul compte votre responsabilité et où vous vous mettez une pression infernale pour vous améliorer, est-ce qu'il serait pas temps de miser plutôt sur la solidarité, la construction collective, pour vraiment changer le monde ? Quant à ceux qui créent du contenu similaire et dangereux, sans tenir compte des implications pour les personnes les plus fragiles d'entre nous, et surtout pour des buts les moins avouables, l'argent, la notoriété, le pouvoir, n'oubliez jamais, on vous voit et on vous attrapera.